Je me suis garé au parking du reposoir, au-dessus du mont, Bellecombe-en-Bauges. Et je vais me diriger vers les chalets de l'écurie derrière pour monter par le petit passage qui est là. Et ensuite, je vais suivre la crête jusqu'à la dent des portes qui, pour l'instant, est en plein brouillard. Je passe par la stèle de la Résistance. De là, je vais couper vers la droite après, à travers champs, pour rejoindre les chalets là-haut. Pour monter, bien passer à droite des barbelés. Sinon, après, c'est compliqué pour les passer. J'ai rejoint le chemin qui vient du col de Bornette. Vous voyez, des montées plus directes, hein, à travers champs. Et ensuite, on arrive au chalet de l'écurie derrière, qu'on aperçoit là. Et des chalets, il y a un petit sentier qui monte directement à travers bois et à travers champs, pour retrouver le passage qu'on va prendre. Bon, moi je vais grimper directement à travers champs. Après une longue traversée à diagonale dans les champs, je rejoins le petit sentier à peine fléché. On voit encore quelques traces sur les rochers. Il est fléché en vert. Ce sentier va nous amener à traverser la barre pour arriver sur la crête. D'ici, on a une très jolie vue sur le col de Bornette, les chalets du Mollard, juste au-dessus le Cré du Char, et en face le Roc des Bœufs. Il y a des coins où il y a énormément de muguets, parce qu'ici en montagne, c'est pas le 1er mai, hein. C'est plutôt le 1er juin et après. J'arrive au début du passage, alors c'est pas compliqué. Aujourd'hui c'est mouillé, c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens là, parce qu'à la descente c'est un peu dangereux. Et faut pas oublier que tous les itinéraires qui passent par la crête du Charbon ne sont pas des itinéraires à touristes. C'est encore bien indiqué. Ambiance quasi automnale. On rejoint le chemin de crête. Là-bas, c'est en direction de l'alpage du Charbon. Dessous, il y a plusieurs chalets d'alpage. Et là, je vais poursuivre en direction de la dent des portes. Jusque là, le sentier suit grossièrement la crête. Parfois un tout petit peu à droite, parfois un tout petit peu à gauche. Sans réelle difficulté, maximum passage de deux. Ne pas s'embarquer dans des trucs plus durs. Ensuite, dès qu'on arrive en vue de la première falaise, qu'on voit pas bien aujourd'hui, il faut prendre par la gauche.
Le passage n'est pas facile à trouver. Et si on se retrouve en difficulté, ne pas hésiter à faire demi-tour. Ensuite, ça passe nettement sous la barre. Ensuite, ça remonte par une succession de vires et de petites cheminées. C'est un peu acrobatique, mais pas difficile. Il y a un tout petit passage vertigineux, mais très facile, qui permet de rejoindre la crête. Longue traversée. Puis on arrive sous la deuxième falaise, qui elle se passe par la droite. En vue du trou, tout de suite après, une petite cheminée qui grimpe. Attention, glissant. Après la cheminée, continuez à monter sous les barres. Le sommet n'est pas loin. Après, il suffit de trouver le passage qui saute la barre. Là, il y a une petite vire derrière les épicéas qui normalement conduit au sommet. On va essayer. Et bien voilà, la petite vire était la bonne. Comment avez-vous trouvé le sommet, monsieur ? Oh ben tout simplement en sortant d'un nuage. Petit panoramique, ça y est, c'est fini. Bon, il n'y a plus qu'à descendre par le sentier normal. Beaucoup moins dangereux. Et par contre, il est glissant, faut faire attention. Voilà, petite descente bien glissante dans la boue, mais ça s'est bien passé. Je retrouve le chemin qui va du collet de Doucy jusqu'au Trello. Et que je vais prendre jusqu'au collet justement. Je sors des brumes juste pour apercevoir en bas les chalets d'alpage du Golet, avec en dessous le Golet de Doucy. Et là, ben, je vais prendre le GR Tour des Bauges pour rejoindre le reposoir où je suis garé. Ici, nous sommes dans le domaine de la globulaire. Il y en a des tonnes. C'est impressionnant, ces jolies fleurs violettes. Une énorme aubépine tout en fleurs, avec cette odeur si particulière et très forte là, vu la densité de fleurs. En bas, la salle de traite itinérante tourne à plein régime. C'est le Golet de Doucy. Petit concert de cloches gratuit. Ça pèse paisiblement dans l'alpage. Voilà, ma randonnée va bientôt se terminer. Eh bien, c'est une rando qui est vraiment sympathique et un peu acrobatique, c'est super. Alors, qui est recommandée aux randonneurs confirmés et adroits surtout.
Et voilà, c'était le franchissement du petit pont à l'arrivée. Et ben je suis arrivé et puis ben la grande difficulté de cette randonnée, c'est de trouver les bons itinéraires sur la crête là-haut quand on ne l'a jamais fait.